Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, on m'a demandé de parler de Si Mohamed Farhat. Si Mohamed Farhat, je l'ai rencontré pour la première fois un jour d'été, de l'été 1974 à l'imprimerie de nos journaux. Abou Mounia venait remettre sa chronique à la rédaction d'El Bayan, chapeauté. Pardon ? Il y a juste le micro. Ah, celui-là. Peut-être qu'il faut... Abou Mounia venait remettre sa chronique à la rédaction d'El Bayan, chapeautée à l'époque par Si Khalid Nasseri et Si Mohamed Ben Nice. Je n'ai plus revu Si Mohamed Farhat jusqu'en 1981, quand j'avais intégré El Bayan. Et c'est feu Si Mohamed Kouakjir Fqeh qui me facilita de me rapprocher du défunt. Mais c'est particulièrement quand il est devenu membre permanent de la rédaction au milieu des années 80 que nos liens ont commencé à se tisser, à se consolider. Depuis, une profonde amitié nous a liés. Si Mohamed Farhat avait de nombreuses qualités et vertus dont certains ont été relevés par mon ami Si Abdelkader Jemali et mon ami Si Mokhlis. Pour ma part, je retiendrai quelques traits qui m'ont frappé chez le regretté défunt. Il avait une culture qui dépassait largement son savoir politique. Il disposait également d'une réserve courtoise dans l'expression de ses connaissances et de sa pensée, et d'une faiblesse face à l'amitié et à la confiance. C'est le fond de son personnage. Il m'a raconté souvent, pas sa vie, mais la vie militante de ses compagnons de lutte. Parce que pour le faire parler sur lui, c'est le parcours du combattant. Il m'a parlé d'Ali Atta, d'Abdeslam Bourkia, d'Abdallah Yachi, de Hadi Mswak, d'Aziz Blal et d'autres. Mais surtout, il a jeté des faisceaux de lumière sur bien des aspects de l'histoire du pays et du parti. Son talent de conteur et sa fraternité exprimaient ce que doit être le militant d'aujourd'hui. J'ai aimé cet homme tel un père, un grand frère. Il a continué son combat politique autrement, en se consacrant totalement à l'écriture et à la culture. Il est utile de relire ses écrits en ce moment où un vent de liberté vient souffler sur le monde arabe pour se donner l'ampleur de la force de ce qu'il a pu léguer en tant qu'artiste, démo et professeur. Je n'oublierai jamais ces moments partagés dans le travail et lors de nos rencontres amicales. Il était brillant dans son œuvre tout en restant si discret, si humble. Doté d'une énergie calme, il a été un fin organisateur du travail au sein de la rédaction. Il était le plus âgé d'entre nous, de l'équipe de rédaction, mais il était le premier à venir au boulot, bien matinal. À l'arrivée des autres journalistes, il avait déjà fait l'essentiel du travail. Les deux rouleaux de la MAP et de l'AFP ont été dispatchés et mis dans des chemises improvisées en fonction du rubriquage du journal. Les dépêches qu'il jugeait importantes sont triées à part, un véritable travail de préparation de l'édition du jour. Mohamed Farhat était aussi un grand homme connu en gestes de générosité, toujours prêt à aider, dans l'élégance, l'humilité et la discrétion. Une belle leçon de la vie il nous a donnée sur le plan humain et professionnel.
Outre sa profonde connaissance de la Révolution française et celle des bolcheviks, il a accumulé un fin savoir des encyclopédistes et des hommes de lumière et en homme de lettres, il avait une prédilection pour certains écrivains du mouvement surréaliste, notamment Philippe de Saussure, Breton, Aragon et d'autres. Mohamed Farhat avait beaucoup d'admirateurs, de lecteurs, de fans, qu'il a émerveillés par son talent et le contenu de ses écrits, tant il était exigeant envers lui-même, dans le travail des mots, des lignes et des phrases, et je dirais la musique, de leur musique. Il était un excellent porteur des douleurs et des espoirs des Marocains. Nous pouvons dire sans exagération aucune que le Maroc, le parti et le journal ont perdu en lui un porte-voix, un créateur de qualité et un artiste du langage. Une humilité authentique qui revalorise l'autre, son fausse autodépréciation ou fausse modestie. C'est le signe d'une grandeur de l'âme, de la vie, d'une disposition au bonheur de découvrir, au plaisir de la bonté humaine, à la rage de la grandeur de la vie. Mais peu importe si cela aller à contre-courant du nouveau monde où la qualité et la confiance n'ont plus cours dans les relations, loin de toute perdition de l'idéal commun. Et même si cela ne cadrait plus avec les exigences de l'époque et n'était pas au goût du jour. Il s'exprimait sur un ton mineur. Et n'eussent été l'admiration et le respect dont il jouissait auprès de ses camarades, amis et lecteurs, on l'aurait à peine remarqué. Sur le plan des écrits, il possédait la capacité de donner sens et vie aux mots simples, aux gestes et aux actes les plus ordinaires. Il savait traduire par les mots de pans entiers de citoyens, des damnés de la terre pour semer l'espoir du lendemain meilleur. Ses nombreux reportages sur la condition inhumaine, les faits de société, les drames sociaux, les massacres environnementaux, le combat de la femme. Son combat pour la gent féminine est connu. Il est resté fidèle au 1er mai, jour durant lequel il a offert régulièrement aux collègues de l'administration du journal des Muguets. Et meilleure illustration de cet engagement, sa femme, la Larkia, qu'il a connue grâce à Feu Germain Yesh. Il l'a aidé à apprendre et à lire, et à apprendre à lire et à écrire. Elle a fini sa carrière comme cadre dans une entreprise privée. À la fin de ses jours, il a vécu une solitude profonde, endémique, quand les yeux l'ont trahi, les amis et camarades abandonnés. J'avoue, pour ma part, avoir failli au devoir d'amitié, de fraternité. Aujourd'hui, il convient de réparer les manquements. Cela consiste à compiler puis à éditer ses écrits pour que leur mémoire et sa mémoire se prolongent longtemps avec ses textes littéraires et poétiques. Je saisirai l'occasion aussi, puisque c'est un hommage qui est rendu en même temps à Simon Lévy, pour dire mon amitié et mon admiration de cet homme que j'avais connu lui aussi
pour la première fois à l'imprimerie du journal Al-Bayan. Et Sir Khalid Nasseri, je crois, s'en rappelle parfaitement. Il était souvent en blouson, muni d'un composteur, et il composait la titraille d'Al-Bayan et il apprenait aux jeunes techniciens qui étaient là-bas. Qu'ils reposent en paix tous les deux, nous ne les oublierons pas. Merci beaucoup.